Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Autre livre. Alors c'est pour les enfants, hein. J'ai trouvé ça génial. C'est un livre. Ça s'appelle Les filles peuvent le faire aussi. Voilà. Et vous retournez de l'autre côté. Et les garçons peuvent le faire aussi. Et je trouve que pour les enfants, c'est super bien parce que, par exemple, il montre le type même, c'est le garçon qui veut faire de la danse classique. Ouais. Donc on va le traiter en disant mais attends, la danse classique, c'est pour les filles, ouais. C'est pas pour toi. Tu vois, toi, tu dois être camionneur, pilote, avocat. Et il y a plein d'exemples comme ça. Par exemple, lui, s'il aime jouer à la poupée, on lui dit mais c'est quoi, c'est une catastrophe. Enfin, le père, il vient terroriser en disant « Mais pourquoi tu joues à la poupée ?» Puis de l'autre côté, la fille, eh ben, elle n'a pas envie forcément de lire La Comtesse de Ségur ou des trucs à l'eau de rose. Elle a peut-être envie de lire des polars. Elle a envie de construire des baraques. Des cabanes dans les arbres. Voilà, elle peut être pompier, pilote. Mais ce qui est bien, c'est que c'est les deux. En même temps, ils disent « Tu peux t'habiller en rose avec des jolis vêtements pailletés qui brillent comme le soleil en été, ou en bleu, en noir et en gris, avec dessus des dinosaures et des ouistiti. Tout est permis. » C'est que les deux sont possibles. C'est absolument possible. On n'est pas obligé de choisir. Tu peux aimer les costumes de pirates pour combattre avec ton épée les mers déchaînées ou préférer te déguiser en princesse. Oh. Et le dessin est très réussi. Sophie Gourion, Isabelle Maroger. Il n'y a rien d'interdit, c'est ton plaisir. C'est ta liberté de choisir ce que tu veux. Et pour les garçons, c'est pareil. Tu peux, quand tu seras grand, vouloir soigner les animaux, les chiens, les chats, être un vétérinaire ou préférer devenir pompier ou policier. C'est plein de Ça devrait être distribué dans toutes les écoles maternelles, ouais. Ça. Tu peux avoir les cheveux courts parce que les mèches dans les yeux et les nœuds, c'est ennuyeux, mais aussi tu peux aussi préférer les cheveux longs, aimer les attoyer, les attacher. C'est contre tous les clichés, les stéréotypes. C'est génial. C'est aux éditions Ground. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.